about again. Les Média vous souhaitent les bienvenus pour cette information. Comme la Bible de Dieu dit, chaque chose a son temps. Le temps actuel pour les blogueurs et blogueuses est de livrer des directs sur leurs différents réseaux sociaux, suivis des questions-réponses en échange avec leurs followers. C'est ainsi que Nadiya Sabeh, la femme de Ariel Sheney, s'est permis de le faire avec ses abonnés. Comme chaque chose a ses conséquences, le jour où l'émission s'est mal terminée pour la belle Nadiya. Cela s'est passé le dimanche dernier, 28 février 2021. Alors, ce n'est plus un secret que Ariel Sheney et Nadiya Sabeh sont officiellement en couple après leur mariage traditionnel en mars 2019. Une chose importante que je vais tirer votre attention, chers auditeurs et auditrices. Si vous êtes une personnalité reconnue, je dirais un star, ou par exemple le cas de l'époux de Ariel Sheney, vous devrez s'attendre aux critiques. C'est obligé, c'est le caractère sombre de l'être humain, en quelque sorte. J'ai l'impression de dire souvent qu'il s'agit de l'envie, et ce n'est pas du tout bien. Lors de l'émission, Nadiya a pu répondre à de nombreuses questions de la part des internautes. Mais une question d'un internaute a mis la poudre dans le feu. La question était de savoir quelle serait sa réaction si elle apprenait avec des preuves à l'appui que son mari Ariel Sheney la trompe. Sera-t-elle prête à lui pardonner? Alors la belle étant répondu que oui, voilà la réaction devient plus grave à cause de cette réponse. C'est ainsi que ce nul-là lance une bombe. Un internaute, je veux dire, un pic très fort à Nadiya Sabeh. Moi je pense que tu pardonnes tout parce que tu n'arrives pas à lui donner d'enfant. Tu es coupable. Vous voyez ça? Vous voyez cette provocation? Donc tout le monde, coûte à coûte, voulait savoir la réaction de Nadiya Sabeh. Ayant ignoré au prime abord ce pic, la belle de Sheney est revenue sur cette affaire afin d'éclairer l'antenne des internautes. La situation dans laquelle je suis, c'est normal d'être attaqué par certaines personnes parce que mon mari est quelqu'un de connu, de populaire, qui a eu un passé. Il y a certaines meufs qui en profitent pour m'attaquer, mais je ne rentre pas dans le jeu. Personnellement, ça ne me dit pas grand chose. Je voulais que la personne sache que je ne suis pas complexé parce que je ne suis pas stérile. Si vous êtes complexé, c'est que vous doutez de la main de Dieu. Vous limitez la main de Dieu. Moi, j'ai du cran, mais j'ai du courage. Moi, je suis une brave dame. Toi, tu n'as pas de culot. Tu n'as rien en fait. C'est pour cela que tu t'es caché pour me parler comme ça. Que Dieu te pardonne. Je prie que Dieu te donne beaucoup de sagesse. Était la réaction de la belle Nadiya. Elle a vraiment raison de tirer de la sorte. J'espère que ces personnes ont bien compris et vont cesser de tacler la dame par jalousie et envie. Alors, pour ceux qui m'écoutent, donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous de la question de cet internaute et que dire sur la réaction de Nadiya Sabeh, la femme de Ariel Sheney? C'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour une autre nouvelle. N'oubliez donc pas de vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être au parvis de toutes les informations. Au revoir et portez-vous bien chez vous. Ciao.